Et salut à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série sur la chaîne. J'abandonne pas du tout l'idée de finir de t'expliquer ton matos de surf et notamment du coup les formes de shape qui existent, le rocker, le concave, tout ce qui va être par là. C'est juste que j'ai vraiment envie de faire du contenu quali et propre. Donc, je vais prendre mon temps soit pour bien faire les recherches de mon côté ou soit si je peux trouver un shaper autour de chez moi, autour de la Vendée là, qui pourrait peut-être faire une collab ensemble, ce serait grave cool. Donc, si jamais ça t'intéresse et que tu as les capacités d'expliquer tout ça facilement et de vulgariser ça, slide dans mes DM sur Insta et je serais carrément chaud pour qu'on puisse faire ça. En attendant, parler de tout ce matos puis me rencarder dessus, ça m'a juste donné envie d'en faire moi-même. Et donc, ça va être un petit peu le sujet des vidéos qui vont venir. Je t'en parle pas plus, mais on va fabriquer des planches, on va fabriquer des ailerons. Et donc voilà. Le but, c'est pas de faire un tuto, c'est juste que tu me regardes et que ça te divertisse. Après, si t'as envie de le faire, tu vois comment je le fais, hein, donc y a pas de souci, tu peux copier, hein, mais je vais pas essayer de t'expliquer étape par étape parce qu'il y a plein de choses qui sont un petit peu techniques et que j'ai absolument aucune idée de ce que je fais en fait. Donc, je vais pas t'expliquer en même temps que j'apprends moi-même à le faire. Donc voilà, le but c'est juste qu'on divertisse, qu'on passe un bon moment. Si c'est raté, ce sera raté, tu verras. Et puis voilà, on va pas se le cacher. Et puis si ça marche, ce sera cool. Donc voilà, allez, sans plus attendre, je te montre les dérives que j'ai fabriquées. Allez, c'est parti!
Et du coup, ça t'a plu? Et bah, si c'est le cas, mets un pouce et un commentaire. Franchement, tu me ferais vraiment plaisir. J'ai adoré faire ça et j'espère que ce nouveau format de vidéo t'a plu. Pour parler un petit peu des dérives, pour t'expliquer un petit peu ma pensée, ça, c'est mon deuxième essai en fait. Le premier, c'était ça. Je voulais les faire avec un cœur en bois, tout simplement pour essayer de consommer le moins de matière possible. Là, il y a quasiment 100 grammes d'époxy et 1 mètre carré de tissu de fibre de verre, et je trouve ça quand même beaucoup pour faire deux petits side bites qui sont pas une main quoi, enfin, c'est riquiqui. Donc je voulais faire des choses comme ça avec un cœur en bois, puis du coup il y a vachement moins de matière, mais c'est vachement plus technique. Donc du coup j'ai pas vraiment réussi, le glaçage il est vraiment dégueu, enfin, c'était les premiers essais aussi, mais donc, ça m'a pas vraiment satisfait, donc j'ai abandonné un peu cette idée, et puis je vais essayer d'utiliser dans le futur d'autres bois à l'intérieur pour faire du recyclage aussi. Donc du coup pour parler un peu de ça, j'ai fait des side bites donc full fibre avec de la résine époxy parce que je voulais utiliser de la résine époxy pour pas utiliser de résine polyester qui est très très polluante, dérivée de pétrole et qui est pas recyclable du tout. Ça c'est mon petit aspect et un petit peu écolo sur les bords, mais voilà, enfin, je pense qu'on devrait tous s'en soucier parce que la résine PU c'est vraiment de la saloperie et il faudrait vraiment qu'on arrête d'en utiliser autant qu'on en utilise dans le monde du surf. Donc ça c'est vraiment des petits side bites pour aller sur mon longboard que je viens d'acheter, enfin le mini longboard parce que c'est 6-6, c'est pas vraiment longboard. Donc assez droite avec très peu de rake pour avoir un pivot maximum. Assez épaisse pour essayer quand même de rediriger l'eau vers le tail et puis gagner en vitesse. C'est vraiment des dérives pour des petites vagues. Ça c'est la théorie, hein. On verra ensemble si ça marche. N'hésite hein. pas à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos dès que je suis sur pied. Je pense que ce sera la première planche que je vais rider. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça t'a plu, que le nouveau format avec le son sur le côté là, ce sera mieux. J'essaye de réduire l'écho au max et développer des techniques, hein. On apprend ensemble. Hein. Et puis n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos, il y a du lourd qui arrive. Allez, peace out!